to abide in your presence. Father, we are here for the sake of the word. That the reason we're committing ourselves unto thee. Bless our heart, bless our spirit, Father God. Let the Holy Ghost take the preeminence in this place, Father God. Let this service meeting be a blessing for each and everyone, Father God. Bless your children that are here and those are coming in this place. Let the Holy Spirit cover them by your shadow. Father, speak to us, O Lord, this evening as we're expecting unto thee in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. God bless you, man. Let's take number 35. I was sinking deep in sin. Love lifting me, amen. I was sinking deep in sin, far from the peace of shore. Very deeply stand waving, sinking to rise no more. But the master of the sea and my despairing cry, from the waters leave me now, say, hey, my love lifting me, love lifting me. Love so mighty and so true, made it my soul and song. Faithful loving service to you belong. Hallelujah, love. Savior, want to be
Colev, tell me amen. Number 43, come and dine the Master Colev as we are calling our preacher beyond the pulpit, amen. His brother Moses that will speak to us about the word, amen. Jesus has the table spread. 43, amen. Jesus has the table spread. Where the saints are gathered, he invites his chosen people, come and dine. With his manner in the field, all tears for every need, all tears with us up with Jesus. Le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless you. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce soir? Are you happy to be in the house of the Lord this evening? Je demandais, êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce soir? I ask, are you happy to be in the house of the Amen. Lord this evening? Nous devons toujours être dans la joie d'être dans sa maison. We must be happy when coming in his house. Dans la présence de Dieu. Amen. In God's presence. Vraiment, je dis merci au pasteur. I thank the pastor. C'est lui qui nous a donné cette opportunité de se tenir derrière sa chair. It's him
give us the opportunity to be behind the pulpit. Et merci aussi à vous qui êtes venus. Thank you to you all for coming also. Vous êtes là pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. You are here for the Lord Jesus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse. Without taking time, I will ask you to open the Bible in the book of Genesis. Genèse chapitre 1er. In Genesis, the first chapter. Verset 26. Verse 26. La Bible dit ceci. And the Bible says this. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. And God said, let us make man in our image, after our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. So God created a man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created them. Allons encore dans Matthieu chapitre 10. Let's go again in Matthew chapter 10. Le premier verset. From the first verse. La Bible dit Matthieu chapitre 10 verset 1. In the Matthew chapter 10, the first verse. La Bible dit ceci. The Bible says this. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. And when he had called unto them his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Allons encore dans Luc 10, 19. Let's go in Luke chapter 10, 19. Luc 10, 19. We're reading in Luke chapter 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Pour finir, to finish, Psaume 82. Let's read in the book of Psalms, chapter 82. Chapitre 82, verset 6. We're reading Psalms, chapter 82, verse 6. La Bible dit ceci. The Bible says this. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. I have said ye are gods, and all of you are children of the Most High. Prions le Seigneur. Let's pray the Lord. Éternel Dieu des armées, Eternal Lord of God, encore une fois nous te disons merci. Once more we thank you. C'est toi qui nous as donné ces beaux jours. You gave us this good day. Et ce soir, and this evening, nous venons demeurer dans ta présence. We come to dwell in your presence. David a dit, David said, vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. It's a better one day in your court than 1,000 Nous savons que away. Ce soir, dans ta présence, Père éternel, we know that this evening, your nous aurons la solution à tous nos problèmes. We will have solution to our problems. Seigneur Jésus, Lord Jesus, c'est toi qui nous as dit, you told us, venez à moi tous qui est fatigué, chargé, come to me, oh, je you vous donnerai du repos. Laid, and I will give you et ce soir, rest. Nous sommes venus devant ta présence, so Seigneur this evening, Jésus. We came in your presence, Père Lord éternel, Jesus. Manifeste-toi au milieu Father, de nous. Yourself, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous voulons cela loin de nous au nom de Jésus. In Jesus Christ's name. Celle toi Seigneur Jésus you alone, Lord, puisse régner et gouverner en ces lieux. You may reign and govern this place. Du début à la fin Seigneur Jésus, from the beginning nous to voudrions the end, te Jesus, voir éternel des armées. Bénis notre pasteur, pastor, bénis chaque frère et sœur qui est venu en ces lieux. Tous ensemble place, Père éternel, all of us together, puisse nous amener Father, dans le lieu céleste en Christ. In heaven place in l'honneur, Jesus name. Honor, la gloire, glory, la louange, worship, les acclamations reviennent à toi to you, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, name that is above le nom de name, notre roi et sauveur Jésus-Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai intitulé. This evening, I would like to speak about the subject that I titled. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Amen. Amen. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Vous savez, lorsque je consulte mon dictionnaire, you know, when I consult my dictionary, je veux que l'autorité, I say that the authority, veut dire droit de commander. It means so the power to command. Pouvoir d'imposer l'obéissance. The power to impose the obedience. L'autorité du supérieur sur ses subordonnés. The authority of a superior upon his subject. Amen. Amen. Droit de commander. The right to command. Ici, là où nous avons lu, here where we read, dans Genèse. In Genesis, c'est Jésus qui était en train de parler, notre Dieu. It's our God who's speaking. Il dit, créons l'homme à notre image. Yes, let's make a man in our image. Selon notre ressemblance. According to our likeness. Amen. Amen. Donc, dès le départ, somewhere, nous voyons que we see that Dieu a créé l'homme. God created man à sa ressemblance. In his likeness. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons lu aussi à Psaume. That's why we read in Psalms que vous êtes de Dieu. That ye are gods. Amen. Parce que lorsque Dieu lui-même créait, when God himself was creating, il parlait à ses attributs. He was speaking to his attributes. Il dit, créons l'homme à notre image. Let's make a man in our image. Donc tel que tu es là, so, as you are there, tu es l'image de Dieu. You are the image of God. Amen. Nous sommes des images de Dieu. We are images of God. Mais des fois, sometimes, nous oublions cela. We forget it. Que nous sommes des images de Dieu. But we are images une of God. Personne person qui est Dieu who's God fera tout ce que Dieu fait. Will do whatever God parce que will c'est do. Lui-même qui a dit because que les œuvres que je fais, the works that I vous do, le ferez aussi. You shall do also. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas les œuvres de Dieu? Why we don't do the works of God? Parce que because nous oublions we forget notre identité. Our identity. Et ce soir, evening, j'aimerais rappeler à une personne to remind que ton identité, your identity, c'est Christ. It's Christ. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. You are created in God's image. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Amen. Dieu t'a créé God created pour you commander. To command. Dieu t'a créé God created pour you diriger. To rule. Mais aujourd'hui, but today, il y a beaucoup de problèmes. There are many problems. Nous ne savons même plus comment commander. We don't even know how to command. Retournons à Genèse. Let's go back in Genesis. Dieu a donné à l'homme la juridiction de la terre. Gave the man the jurisdiction of the earth. Amen. Pour commander. To command. Pour faire quoi que ce soit à la terre. Do whatever he wants to on the earth. Mais l'homme. But a man avait perdu ses pouvoirs. Lost, that's power. Il avait perdu cette autorité. He lost the authority. Lorsque l'homme tomba, when a man fell, c'était à ce moment in that time, que l'homme avait perdu cette autorité. Lost his authority. Mais ce n'était pas but it wasn't it. L'objectif de Dieu. God's purpose. Dieu, son objectif God's purpose était was, que was that l'homme soit à son image. Man be in his image. Que l'homme ait cette autorité. That man has that authority. Parce que lorsque Dieu a donné à Adam le jardin de l'Éden, il lui a dit tu dois commander. You must command. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes sur la terre, and when we are on the earth, nous devons aussi commander. We must also command. Nous devons aussi diriger. We must also rule. Il n'y a aucun esprit there's no spirit qui peut être au-dessus de toi. That can be above parce you. Que toi, tu es fils de Dieu. Because you're son of God. Toi, tu es fille de Dieu. Because you are a daughter of pas God. Seulement là, not only that, tu es l'épouse. You are the bride. C'est pour cela ce soir, that's why this je parle de l'autorité de l'épouse. I am speaking about the authority. Reconnaître ce que toi tu es. Recognize who you are. Que tu n'es pas n'importe qui. You are not anybody tu es l'épouse de Dieu. You are the bride of God. Alors l'épouse so the bride a l'autorité qu'a l'époux. Has the authority that the groom has. Amen. L'épouse. The bride a l'autorité. Has the authority. Reconnais cette autorité. Recognize que tu as. That authority. Amen. Amen.
Dans la Bible, in the Bible, il y a beaucoup de gens. There are many people qui se sont identifiés, who identified themselves, à ce que Dieu leur avait donné, to what God gave them. Et ce soir, and this evening, je mérite te ramener aussi. I would like to bring you back, que tu puisses t'identifier. That you might identify yourself. Que ce ne soit pas seulement les gens de la Bible. Let's not be only que ce ne soit pas seulement les saints d'autrefois. Let's not be only the saints of old. Mais que ce soit toi. Let it be you. Amen. Amen. Lorsque tu vas te lever, when you rise, tu te lèves avec cette autorité. You stand with that authority. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham nous dit. Listen what Brother Branham says. Le frère Branham nous dit. Brother Branham says this. Dans la prédication. In the preaching. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Epistle of Ephesians is comparable to the book of Joshua. Il dit ceci. He says this. Mais dans Genèse 2, now, in Genesis 2, quand il a fait l'homme, when he made a man, il a dit, he said, je suis Jéhovah. I am Jehovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? What it meant? Je suis celui par qui tout existe. I am by the one by which everything exists. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. I create something by my own. Pour en faire mon fils. To make it my son. Un de mes petits. One of my little ones. Temporairement. Temporarily. De façon amateur. In an amateur way. Gloire. Glory. Pourquoi? Why? Il a donné à l'homme. He gave the man. Point point point. Jéhovah veut dire. Jehovah means qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. He gave the man the power to be an amateur God. En effet, in fact, il est Dieu le Père. He is God the Father. Il a fait de l'homme un Dieu amateur. He made a man an amateur il n'existe donc plus par lui-même. So it doesn't exist by il himself. Existe no. Avec sa famille. He exists with his family. Et là. Ela Elohim. Ela Elohim. Bon, maintenant, so now, il est Jéhovah. Is Jehovah. Jéhovah qui veut dire, c'est lui qui existe avec sa famille. He exists with his family. Oh, so, Dieu a fait l'homme God made a man pour qu'il domine sur la terre. To rule over the earth. Est-ce que vous avez saisi? Have you heard Dieu that? A fait l'homme God created pour a man qu'il domine sur la terre. To rule over the earth. Il y avait l'autorité. There was the authority. La terre, the earth, c'était l'empire de l'homme. Was the empire of a man. Et ce que dit l'écriture. That's what the scripture donc, says. Donc si c'était sa propriété, so it was his property. Il était le dieu de la terre. He was the god of the earth. Il pouvait prononcer quelque chose. He could speak out something. Et ça arrivait. It comes to pass. Il pouvait prononcer ceci. He pronounced this. Et ça arrivait. It comes to pass. Amen. Amen. Le frère Branham nous dit Branham tells us que Dieu t'a donné l'autorité. God gave you the authority. C'est à toi it's you. De dominer sur la terre. Dominion on the earth. Amen. Amen. Et toi, tu es de la famille de Dieu. You belong to God's family. Dieu God veut wants être avec sa famille. To be with his family. Et aujourd'hui, and today, je suis dans la joie I'm happy de savoir to know that que je suis dans la famille de Jésus. I am in the Jesus family. Amen. Je suis dans la famille de Jésus. I am in a Jesus et family. J'ai l'autorité. And I have the Dieu God m'a donné cette autorité de gouverner, to govern, de dominer. To rule over. Amen. Amen. Et il dit, he says, voilà, Dieu, see God, Jéhovah, c'est lui qui une fois existait par lui-même. The one who once existed voilà by himself, que maintenant, now, il existe avec sa famille. He exists with his family. Ses enfants avec lui. His children together with him. Amen. Amen. Dieu, God, c'est lui qui existait par lui-même. The one who was existing il by himself, s'est décidé de vivre avec sa famille. To live with his family. Amen. Amen. Il a dit, he said, je ne resterai plus seul. I won't remain alone. Il a créé l'homme. He created a man. Alors lorsqu'il a créé so, l'homme, when he created a man, il a dit, he said, tout ça ce n'est pas seulement pour moi-même. Oh, this doesn't je donne à mon only. Fils. I give it to my je son. Donne à ma fille. I give it to my daughter. Amen. Amen. Pour gouverner, to rule over. C'est l'homme. It's il a, man. A donné à l'homme le he pouvoir. Gave the man the power. Il a donné à l'homme l'autorité. He gave the man the authority. Amen. Amen. Et ce soir, this je voudrais que quelqu'un I would like that somebody puisse reconnaître l'autorité que Dieu lui a donnée. The authority that God gave him. Amen. Amen. Que Dieu nous a donné l'autorité. God gave us the authority. Reconnaissons cela. Let's recognize it. Ne marchons plus. Let's not walk no more. Comme ceux qui avaient oublié.
que Jésus était avec eux. Like those who forgot that Jesus was with them. Parce qu'une personne qui a Jésus avec lui. Because a person who has Jesus with him. Il est sûr et certain. Is sure and certain. Même lorsqu'il marche. That when is he walking? Parce qu'il sait qu'il ne marche pas seul. Because he's not walking alone. Amen. Il a l'autorité. He has the authority. Amen. Amen. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Vous savez, you know, il y a une personne. There's someone au nom de Josué. By the name of Joshua. Cet homme, that man, il était en train de combattre. He was fighting. Et lorsqu'il a vu, so when he saw que le combat avançait, that the battle was raging, il s'est dit, he decided by himself, si seulement, if only la nuit arrivait, the night can fall, nous ne saurons plus comment à continuer ce combat. We'll be unable to keep on fighting. Nous risquons même de perdre cette bataille. We can lose the battle. Vous savez ce que Josué a fait? You know what Joshua did? Josué a reconnu. Joshua recognized qu'il avait l'autorité. That he had the authority. Amen. Josué a reconnu. Joshua recognized ce qui était en lui. What was in him? Josué a reconnu. Joshua recognized la promesse de Dieu. God's promise. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Listen what Brother Branham says here. Il dit ceci. He says this. Dans pourquoi crier parle. In the preaching, why cry? Speak. C'est prêché le 14 juillet 63. July 1963. Le paragraphe 166. Paragraph 166. Il dit ceci. He says this. Josué sortit son épée et dit. Joshua pulled out his sword. Suivez-moi. Follow me. Et il alla là-bas et le combattit. And fought them. Que fit-il? What did he do? Écoutez. Listen. Il mit l'ennemi en déroute. He dispersed all the enemies. Amen. Il n'était plus que de petits groupes ici et là. There were just a small group. Lorsque le soir viendrait, when the evening will ils come, ils se rassembleraient tous. Ils se rassembleraient tous. They will come together, all of them. Se mettraient en garnison. They will be together. Et viendraient avec force contre lui. And they will come with the power against him. Écoutez maintenant. Listen now. Le soleil était en train de se coucher. The sun was sitting. Il avait besoin de plus de lumière. He needed more light. Le soleil était en train de se coucher. The sun was setting. Il n'est pas tombé sur ses genoux. So he didn't kneel down. Et n'a pas dit. He never said. Éternel Dieu. Lord God. Que ferai-je? What shall I do? Que ferai-je? What shall I do? Il parla. He spoke. Est-ce que vous avez bien suivi? Did you follow? Le frère Branham dit. Branham says. Josué. Joshua. Ne s'était pas agenouillé. Never knelt down. Pour commencer à dire. He's saying. Seigneur. No. Que ferai-je? What shall I que do? Ferai-je? What shall I do? Mais Josué. Joshua. A reconnu. Recognize. L'autorité qu'il the avait. Authority he had. Josué a parlé. Joshua spoke. Amen. Amen. Il parla. He spoke. Il avait un besoin. He had a need. Et il dit. He said, soleil. Sun, arrête-toi. Right there. Il ne poussa pas de cri. He never cried. Il commanda. He commanded. Amen. Amen. Josué. Joshua n'a pas crié. Never cried. Josué a commandé. Joshua commanded. Comme ce soir. As this toi aussi. Tu as cette autorité. That authority. Tu peux commander. Command. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Il t'a donné cette autorité. He gave you that authority. Alléluia. Alléluia. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Josué. Joshua. A commandé. Commanded. Josué avait un besoin. Joshua had a need. Le frère Branham dit. Branham says. Josué ne s'est pas agenouillé. Joshua never knelt down. Pour commencer à crier. Start praying. Comme nous faisons tout le temps. As we do so often. On s'agenouille. Seigneur. Lord. Seigneur. Lord. C'est comme si. It's like. Il est très loin. He's too far. Je dois crier. I must cry. Je dois crier pour qu'il I puisse must m'entendre. Cry so he may hear me. Mais le frère Branham dit. Branham says, Josué. Joshua. Parla. Spoke. Pourquoi crier? Why cry? Parle. Speak out. Amen. Amen. Josué a reconnu. Joshua recognized l'autorité qu'il the avait. Authority he had. Mais je suis un fils de Dieu. But I am a son of God. Je suis une fille de Dieu. I am the daughter of God. Je reconnais les promesses de l'Éternel. I recognize God's promises. Josué a commandé. Joshua commanded. Il a dit soleil. You son, arrête-toi. Stop right there. Comme toi aussi aujourd'hui. As you are je today, ne sais pas ce qui est ton problème. I don't know what ton is your problem. Tu peux arrêter you cela. Can stop tu that peux problem. Commander à ton you problème ce soir. You can command your problem this evening. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci.
Brother Branham says et continue this. À dire. He carries on, says. Il ne poussa pas des cris. He never shouted. Il commanda le soleil. He commanded to the arrête-toi. Stop right j'ai besoin de ceci. I need this. Je suis le serviteur de l'Éternel. I am the servant of the Lord. Écoutez. Listen. Oui pour ce travail. Anointed for that work. J'ai un besoin. I have a need. Arrête-toi. Stop right there. Et ne pompe pas. And then il dit brille. Say shine. Et toi lune. And you move. Reste où tu es. Remain where you are. Et cela fit ainsi. And it happened so. Jusqu'à ce qu'il eut terminé la bataille. He finished the fight. Et qu'il eut entièrement vaincu. And then he overcame. Amen. The fight. Amen. Comme toi aussi, as you also, tu as un besoin. You have a need. Tu dois commander you à ce besoin. Command to that need. Amen. Jusqu'à ce que tu vas vaincre. You will overcome. Josué, Joshua a dit au soleil de s'arrêter. To stop. Et le soleil s'est and arrêté. The sun stops. Jusqu'à ce qu'il avait fini until ses travaux. He finish his work. Amen. Amen. Et je vais te dire une chose. Let me tell le frère Branham dit que Josué était loin pour ses travaux. Anointed for amen. The world. Et je crois de tout mon cœur que toi heart, aussi you also, tu es loin. Anointed. Amen. Amen. Si tu crois que tu es loin, you believe you are alors prononce la parole. Speak the word. Peu importe la situation, no matter the situation, prononce la parole. Speak the word. Commande. Command. Commande. Command. Et la chose arrivera. And the thing shall come to pass. Amen. Joshua commanded. Joshua commanded. Et la chose est arrivée. And the thing happened. Quel est ce problème? What is that problem? Quel est ce problème? What is that problem? Mais reconnais ce que toi tu but es. But recognize who you are. Reconnaissons ce que nous sommes. Let's recognize who we commandons. Are. Let's command. Si ce sont les mauvais esprits, if they are evil spirits, nous devons commander. We must command. Amen. Parce qu'il nous a donné cette because autorité. He gave us that authority. Reconnaissons l'autorité que nous avons. Let's recognize the authority that we have. Amen. Mais des fois, but sometimes, nous entrons dans des distractions. We get into distractions. Nous ne savons pas and we don't know ce que nous sommes. Who we are. Un fils de Dieu. A son of God. Est distrait. Is distracted. Un fils de Dieu. A son of God. Ne sait plus ce qu'il est. Doesn't know who he is. C'est pour cela que nous ne savons même pas prendre Dieu au mot. That's why we are unable to take God as you amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce que Dieu nous a fait une promesse. God made us a promise. Prenez sa parole. Let's take his words. Tenons-nous à sa parole. Let's hold to his words. Tenons-nous à ses promesses. Let's hold on to his promises. C'est lui qui a fait la promesse. It's him who made the promise. Tenons-lui là. So, Josué, Joshua, lorsqu'il parlait, when he spoke, parce qu'il savait, because he knew, Dieu leur avait dit, God, vous allez vaincre. You will overcome. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu because when God avait exaucé la parole d'un homme comme Josué, answered the word of a man like il regardait Joshua, à sa promesse. He looked into his promise. Amen. Et nous aussi, and us also, regardons aux promesses. Let's de look Dieu. Into God's promises. Regardons à ce qu'il a dit de nous. Let's look to what he said for us. Peut-être que tu n'es pas l'épouse. Maybe you're not the bride. Mais si tu es but if you are the bride, c'est à l'épouse que je parle ce soir. I am speaking to the bride this evening. Reconnais ce que tu es. Recognize who you are. Écoutez ce que le frère Branham. Listen what Brother Branham says. Il dit ceci. He says this. Toujours dans la même prédication. Always il parle. In the same preaching, why Christ speak? Il parle d'un homme. He's speaking about a man. Samson. Samson. Il dit dans le paragraphe 168. He says in the paragraph 168. Il dit ceci. He says this. Samson. Samson. Un homme loin. An anointed man. Suscité et ordonné de Dieu. Raised and ordained by God. Avec un don de puissance. With a power of gift. Il était établi pour détruire la nation des Philistins. He was established to destroy the Philistine nation. Ordonné. Commanded, né sur la terre, born on the earth, et loin de Dieu, and anointed of pour God, détruire les Philistins. To destroy Philistines. Est-ce que vous avez suivi? Did you follow? Il était ordonné. He was ordained. Loin par Dieu, anointed by pour God, détruire les Philistins. To destroy the Philistines. Je vais te dire ce soir, let me tell you que toi aussi, you also, tu es ordonné, you are ordained, tu es loin, you are anointed, pour détruire l'ennemi. To destroy the enemy. Amen. Amen. Dieu, God, là loin pour ce travail. Him for that il dit ceci. He says un jour, one day,
Ils l'attrapèrent dans le champ. He caught them sans son épée. Without his sword. Sans son épée. Without his sword. Sans lance. Without a slingshot. Et un millier de ces Philistins. And then a thousand of Philistines. Cuirassés. Then lui sautèrent dessus. He jumped on them. Écoutez maintenant. Listen now. S'est-il agenouillé? Did he kneel down? A-t-il dit? Did he say? Oh Seigneur! Oh God! J'attends une vision. I'm waiting for a vision. Oh Seigneur! Oh Lord! Que dois-je faire? What shall I do? Indique-moi ce qu'il faut faire. Tell me what to do. Il savait qu'il avait un besoin. He knew he had a need. Il ne découvrit rien d'autre qu'une vieille mâchoire d'âne. He discovered nothing. Et avec elle, bone of a mule. Il tua un millier de Philistins. He killed a thousand of Philistines. Amen. Amen. Il ne cria pas à Dieu. He never shouted. Il utilisa son don loin. He used his anointed gift. Il savait qu'il était envoyé pour ce travail. He was sent for that work. Amen. Amen. Samson, Samson savait que Dieu m'a envoyé pour ce travail. Amen. Amen. Comme moi et toi, lorsque l'ennemi se présente, reconnais ce que tu es. Recognize who you are. Reconnais l'autorité que tu as. Recognize the authority that you have. Amen. Amen. Le frère Branham dit, and the brother Branham Samson, says, Samson n'avait pas son épée. Didn't have his sword. Samson, Samson n'avait pas la lance. Didn't have a slingshot. Oh, j'attends la vision. Oh, I'm waiting for Dieu doit parler. I must speak. Mais il t'a donné déjà l'autorité. But he gave you already the authority. Oh, j'attends le pasteur. I'm waiting for the pastor. Mais tu n'as pas Dieu en toi. Don't you have a God in you? Le pasteur chaque jour. The pastor every day. Ici. Here. Il nous pointe vers Jésus. He just tells us to look to Jesus. Il nous montre. He shows us que Jésus est notre tout. Jesus is all for us. Mais quand tu as un problème. So when you have a problem. Mais reconnais qu'il est avec so toi. Recognize he's with you. Amen. Amen. Samson a reconnu. Samson recognized. Est-ce que tu as cette autorité? Do you have that authority? Si tu n'as pas cette autorité, if you do not have, c'est le moment d'avoir this l'autorité. Is the moment to have the authority. Amen. Amen. C'est le moment d'avoir l'autorité. This is the time to have the authority. Écoutez ce que le frère Branham dit. Listen to what the brother Branham says. Il dit ceci. He says. Il savait qu'il était né pour cela. He knew he was born for that. Il savait qu'il était loin d'un don. He knew he was anointed with a gift. Et il battit un millier de Philistins. And he killed thousands of Philistines. Il ne cria pas à Dieu. He never shouted to God. Dieu l'avait ordonné. God ordained it. Il avait confirmé cela. He vindicated it par les autres choses qu'il avait faites. Il était un serviteur de Dieu. He was God's servant. Confirmé. Vindicated. Et ouin pour détruire les Philistins. Anointed to destroy Philistines. Il le fit. He did it. Peu importe. No matter. Ce qu'étaient les circonstances. What were circumstances? Écoutez. Listen. Le frère Branham dit. Brother Branham peu says, importe ce qu'étaient les circonstances. No what were circumstances? Il le fit. He did it. Anyhow. Amen. Il ne demanda jamais rien. He never asked nothing. C'était son travail. That was his work. Dieu traitait avec lui. God was working with him. Amen. Notre travail, our work, c'est de dominer. Is to rule over. Notre travail, our work, c'est de commander. Is to command. Amen. Amen. Samson, Samson savait cela. Knew that. C'est pour cela. That's why, lorsque le combat était venu, when the fight came, il a reconnu. He recognized. Que non, j'ai l'autorité. No, I have the authority. Amen. Amen. Et toi aussi, and you also, lorsque tu te retrouves dans des circonstances, when you're facing dans des situations, in a circumstances, reconnais ce que toi tu es. Recognize who you are. Reconnais l'autorité de Dieu en toi. The authority that you have in you. Amen. Amen. Si Samson, if Samson avait reconnu, recognized l'autorité qu'il avait, the authority that he had, pourquoi pas toi? What about you? Le frère Branham dit, Brother Branham says, que Samson, the Samson, il s'est référé, he referred himself, à ce qu'il avait fait déjà avant, to what he done before. C'est pour cela, that's why, un chrétien, a Christian, nous devons toujours garder des témoignages. We must keep testimonies all Dieu the time. Dieu avait fait avec moi un jour. God did with me something one day. Aujourd'hui, but today, il peut encore faire. He can do also that. Amen. Amen. C'est ce que Samson avait fait. It's what Samson did. Dieu m'avait délivré de l'autre côté. God gave me victory upon a lion. Sa parole dit. His word qu'il says, est le même is the same hier, yesterday, today, and forevermore. Il peut le faire encore he can aujourd'hui. Do it again today.
Mais toi, but you, place seulement ta confiance trust him, à lui. Trust him. Amen. Amen. Place ta confiance à lui. Trust him. Il veut te délivrer. He will deliver il veut you. Te bénir. He wants to bless you. Il veut te remplir. He wants to fill you. De son autorité. Of his authority. Amen. Amen. Il veut te remplir. He wants to fill de son you autorité. Of his authority. Samson n'a pas posé de questions. Samson never asked questions. Non, 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 non. C'est ce que nous faisons des fois. It's what we do sometimes. Nous sommes devant un problème. When we facing a problem, au lieu d'affronter le problème, instead of just challenging nous commençons the problem, à poser des questions. We start asking Seigneur, questions. Lord, que dois-je faire? What shall I do? Seigneur, Lord, ceci, cela. This and that. Mais Dieu, but God, t'a montré déjà le chemin à suivre. Showed you the way to follow. Amen. Si c'est l'ennemi, if it's the enemy, il faut le combattre you directement. Must fight him straight away. Il faut le repousser you directement. Send him back. N'attends pas. Don't wait. L'ennemi, the enemy, lui il travaille. He's working. Lui il avance. He's coming forward. Mais toi ne recule pas. Don't go back. Avance. Go forward. Le frère Bonhomme dit, Brian says, sir, si l'ennemi avance if un pas, enemy goes one toi avances deux pas. You go two deux steps pas. Toi fais two trois, steps, quatre. You go three, four. Il ne faut pas reculer. Don't go nous back devons avancer. We must go pourquoi? Forward. Parce que nous avons l'autorité. We have the authority in us. Reconnaissons l'autorité que nous avons. Let's recognize the authority that we have. Amen. Amen. Reconnaissons l'autorité que nous avons. Let's recognize the authority that we have. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Dans la même prédication, il avance aussi dit ceci. In the same preaching, he says this. Eh bien. Well. Un coup de cette mâchoire. A strike of sur one un de ces casques de rein. One of these iron helmets. Je vais sauter un peu. Let me jump it. Il dit ceci dans le paragraphe. In the paragraph 247. 247. Ah, il dit ceci. He says this. Samson. Samson. Il ne posa pas de questions. He never asked questions. Il ne cria pas. He never shouted. Il parla. He spoke. Il les mit en déroute. He just scattered them. Amen. Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir? Can somebody speak this evening? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut parler ce soir? Can somebody speak this evening? Samson, Samson n'a pas posé de questions. Never asked questions. Et ce soir, and this evening, je m'aimerais te dire, I would like to tell ne you, pose pas de questions. Don't ask questions. Mais je t'amène juste but I'm à parler. Just to speak. Amen. Amen. Il ne cria pas. He never shouted. Il parla. He spoke. Il le mit en déroute. He just scattered them away. Et ce soir, and this evening, tous les Philistins de ta vie, oh, your Philistines, tous ceux qui te combattent, oh, that are fighting je voudrais que tu puisses le mettre en déroute. I want you to scatter them. Prends la parole de Dieu. As words, prononce la parole. Words, et mets-les en déroute. And scatter them away. Peu importe la situation, the situation, il faut les mettre en déroute. Chase them away. Amen. Amen. Samson dit, Samson says, je sais que tu m'as I know you pour détruire me cette nation des Philistins. Une personne peut reconnaître cela. Que this? Dieu l'a ouvert pour détruire him tous les Philistins. Dieu l'a ouvert pour détruire him tout, oh, tout ce qui l'embrille dans to sa vie. What is disturbing him in his reconnaissons life. L'autorité que let's nous avons. Recognize the authority we have. Il te dit ce soir. He tells you this evening. De parler. To speak. Ne pose pas de questions. Don't ask questions. Comment est-ce que ça va se faire? How it's gonna happen? Toi, parle. You speak only. Pourquoi? Why? Parce que tu as l'autorité. Because you have the authority. Amen. Vous savez? You know? Comme j'avais dit au début. As là, I said in the beginning, que l'homme, that the man, avait perdu l'autorité, lost the authority, lorsqu'il tomba, when he fell. Amen. Amen. L'homme a perdu cette autorité. The man lost that authority. Lorsqu'il avait tombé. When he fell. Mais ce n'était pas arrêté seulement but là. It didn't stop there. Jésus. Jesus. Lorsqu'il est venu. When he came. C'était pour restaurer. It was to restore. C'est que toi et moi. That you and I. Nous avons perdu. Have lost. L'œuvre de Golgotha. The work of Calvary. A ramené. Brought back. L'autorité que nous avons perdu. The authority that we lost. Amen. Amen.
C'est pour cela que nous devons reconnaître l'œuvre du calvaire. We must recognize the work of the Calvary. Amen. Amen. Tu es oint pour ce travail. You are anointed for this work. Il dit, he says, rien ne va le déranger. Nothing by any means hurts him. Il est oint pour ce travail. He is anointed. Rien for ne that. Peut vous faire du tort. Nothing can, no, can hurt you by no means. Pas une seule chose. Not even one c'est thing. Ce que le frère Branham dit. It's what Branham says. Pas même une seule not, chose. Nothing, not even anything. Pourquoi? Why? Parce que vous êtes oint. Because you are anointed. Pour ce travail. For this work. Dieu, God, t'a donné l'autorité. Gave you the authority. Dieu t'a donné le pouvoir. God gave you the power. Mais reconnais ce que toi tu es. Recognize who you are. Ce soir, j'aimerais qu'une personne puisse reconnaître cela. This evening, I would like to, somebody to recognize that. Comme Josué a reconnu as cela. As Joshua recognized it. Il a reconnu cela. He recognized it. Et Dieu a agi. And God acted. Samson a reconnu cela. Samson recognized it. Dieu a agi. And God came in action. Mais je ne m'irai pas parler de Josué. But I don't want to speak je about ne m'irai pas seulement parler de Samson. I don't want to speak about Samson. Mais je m'irai parler de ce but soir. I will not speak about this evening. Si ce soir. Someone here this evening. Qui peut prendre Dieu au mot. Who can take God by his word. Qui peut savoir que Dieu l'a donné l'autorité. God gave him the authority. Il peut commander. He can command. Quel est ce problème? What is the problem? Qui peut être au-dessus de notre Dieu? That can be above our God. Qu'est-ce qui t'empêche de commander? What is hindering you to command? Qu'est-ce qui t'empêche? What is blocking you? Retourne sur le droit chemin. Let's go back on a straight way. S'il y a quelque chose if qui t'est bloqué, that was blocking retourne you, sur le droit chemin. Go back on a straight way. Amen. Amen. Parce que des fois, because sometimes, nous ne savons plus commander. We don't know how to command. Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent. There are things that are blocking us. Toi-même, tu peux regarder. Yourself, you tu can see. Non, c'est la chose qui me bloque. This is the thing that is just stopping me. Ici, c'est ce qui me bloque. This is what is blocking toi-même, me. Toi-même, tu connais. Yourself, you know. C'est ce qui te bloque. It's what's blocking you. Amen. Amen. Parce qu'une personne because a person qui connaît sa position, who knows his position, c'est cette personne is that person qui commande. Who can command? Une personne a person qui sait que Dieu est avec who knows that God is with him. Et lorsqu'il parle, and when he speaks, sa parole his words n'est plus sa parole à lui. It's not anymore his words. Cette parole that's words devient la parole de Dieu. Becomes God's words. Dieu exécute and cela. God execute that. Amen. Amen. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Les enfants de Dieu ont that perdu l'autorité. The children of God have lost the authority. Retournons à Dieu. Let's go back to God. Retournons à la parole. Let's come back to the words. Amen. Amen. Une personne qui est dans la parole. A person who is c'est in the word. C'est cette personne qui a l'autorité. Is that the person that has the authority? Amen. Amen. Parce que le frère Branham dit quelque part. Because Branham says somewhere que lorsque Jésus that when Jesus sortait de 40 jours lorsqu'il était parti se consacrer, jeûner, prier. When he went to fast and then pray after lorsque 40 l'ennemi days, était venu pour le tenter, when the enemy came to just tempt him, Jésus Jesus n'avait pas pris. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire avec Jesus l'ennemi. Could do whatever he wanted to do with the enemy. Mais le frère Branham dit but Branham says que Jésus that Jesus a utilisé que sa parole, la parole de Dieu. Used all his words, God's words. Amen. Amen. Et nous aussi aujourd'hui. And as also today, l'autorité que nous avons, the authority that we have, réside à la parole de Dieu. Stays in the words of God. Amen. Amen. Parce que Jésus, because Jesus, devant l'ennemi Lucifer, before the enemy Lucifer, il a dit. Il a prononcé que la parole. He spoke words. Parce que l'ennemi est venu because avec la parole. The enemy came with the words. Mais Jésus s'est dit. Jesus says. Et il est aussi écrit. It's also written. Amen. Amen. Et le frère Branham dit quelque and part. Branham says somewhere. Que la parole de Dieu. That's God's words. Tueras Satan. Will kill Satan. N'importe comment. Anyhow. Quand tu as la parole de Dieu, when you have c'est the word à ce moment-là que tu es vainqueur. You are overcomer. Amen. Amen. Prenez la parole de Dieu. Take God's words.
Mais pourquoi est-ce que nous ne prenons pas la parole de Dieu? Why are we not taking God's words? C'est qu'il y a un ça ne va pas. To mean there's something wrong somewhere. Tu as l'autorité. You have the authority. Pourquoi est-ce que tu n'exerces pas ça? Why are you not executing this? C'est qu'il y a un ça ne va pas. To mean there's something wrong somewhere. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Listen what brother Branham says. Il dit ceci. He says this. La même prédication. In the same preaching. Le paragraphe 170. Paragraph 170. Il dit ceci. He says this. C'est lui qui était en Moïse. The one who was in Moses. Écoutez. Listen. Était plus grand que la mer elle-même. Was greater than the sea itself. Le frère Branham nous pose la question. Est-ce vrai? But I'm going to ask this question. Is that true? Oh là là. Omar, maintenant, now, vous voyez, see, celui qui est en Moïse Moses, était plus grand que celui qui était dans le monde. Was greater than the one who was celui in the qui world. Était en Moïse the one who was in Moses, était plus grand que toute la nature du monde. Was greater than all the nature of the Il world. Ordonna la nature. He commanded the nature. Amen. C'est lui. The one qui est en vous who's in you est plus grand is greater que celui qui est dans ce monde. The one who's in the world. Amen. Amen. C'est lui qui est en vous. The one who's in you. C'est celui qui vous donne cette autorité. The one gives you that authority. Amen. Amen. Parce que ce n'est plus votre parole. Because it's not your word c'est anymore. La parole de ce qui est it's en the vous. Word of the one who's in you. Amen. Amen. Reconnaissons l'autorité de Dieu. Let's recognize the authority reconnaissons of God. Ce qui est en nous. Let's recognize what we have. Il dit ceci. He says this. Tout ce que Dieu lui disait de dire, oh, whatever God told him il le disait. He was saying that. Et il en était ainsi. It was so. Amen. Amen. C'est même Dieu the same God est avec nous ce soir. He is with us this evening. Qui croit cela? Who believes that? Le frère Branham dit, Branham c'est says, même Dieu est avec nous ce God soir. Us this il dit, pas says, seulement avec nous, not only with mais us, en nous. In us. Amen. Amen. Il a prouvé qu'il était en nous. He proved that he was celui us. Qui est en vous God is new. Est plus grand que celui He's qui est dans le monde. That is in the world. Pourquoi avons-nous peur du monde? Why are we scared of the world? Pourquoi avons-nous peur Why du monde? Are we scared of the c'est world? Lui qui est en nous that is in us. Est plus grand. He's greater. Amen. Amen. C'est lui qui est en nous. That is c'est celui qui nous donne l'autorité. The one who gives us authority. Mais de quoi avons-nous so peur? Why are we scared pourquoi of... avons-nous peur du monde? Why are we scared of the world? Amen. Et le frère Branham dit dans l'exposé de cet âge. Branham says in exposition of seven churches. Nous lisons cela à chaque fois ici. Every time here. Le frère Branham dit. Branham ne crains point Jean. Don't fear ne John. Crains point petit troupeau. Don't fear little flock. Je peux dire ne crains point El Shalom. Don't be scared El Shalom Tabernacle. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout pouvoir power vous appartient. Belongs to you. Quoi cela? Who believes that? Tout le pouvoir de Dieu God's power vous appartient. Belongs to you. Amen. Amen. Ma toute puissance est à vous. Is for you. Alors que je suis au milieu de As vous, I am in your midst, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. I never came to bring fear and the mais failure. L'amour. But the love. L'amour, le courage et la capacité, the courage and the ability, tout pouvoir m'a été donné. Given to me. Donné à qui? To à who? Jésus. Jesus. Hein? Yeah? Et c'est à vous. And it's you. C'est à vous. It's you. C'est à vous. It's you. Qu'il appartient belong de l'utiliser. To use it. Amen. Amen. C'est à vous. It belongs to qu'il you. Appartient de l'utiliser. To use it. Écoutez maintenant. Listen now. Prononcez la parole. Speak a word. Et je l'accomplirai. I fulfill it. Qu'est-ce qu'il dit? What he says? Prononcez la parole. Speak a word. Et je l'accomplirai. And I will fulfill. Le frère Branham nous Brother dit. Branham tells us. Prononcez la parole. Let's speak a word. C'est Dieu qui te parle. It's God speaking to il you. Il va accomplir cela. He will fulfill. Prononce it. La parole. Speak a word. Dieu va accomplir God cela. God will fulfill. Quel est le problème? What is the problem? Prononce la parole. Speak a word. Il t'a donné l'autorité. He gave you authority. Il t'a donné le pouvoir. He gave you the power. Prononce la parole. Speak a word. Et Dieu accomplira God cela. God will fulfill. Peu importe le problème. No matter the situation. La situation no matter the problem, prononcez-moi la parole words, et Dieu accomplira cela. God will fulfill that. Il dit he says, c'est mon alliance it's my covenant, et elle est infaillible. It's infallible. L'alliance de Dieu the covenant est infaillible. Is infallible. Ce n'est pas l'alliance d'un homme it's not mais c'est covenant l'alliance man, de Dieu lui-même. God covenant himself. Amen. Amen. Parce que Dieu God, lorsqu'il a regardé sur la terre when he looked up il a regardé earth, au ciel looking to heaven, il n'a pas vu
vu un homme. He never saw il dit, he say, je jure par moi-même. I swear by myself. Il a juré par lui-même. Parce qu'il n'y avait pas autre chose qui était au-dessus de lui. Amen. Amen. Lorsque Dieu prononce une parole, cela doit s'accomplir. Et ce soir, evening, il te dit, he tells you, toi aussi, also, prononce la parole. Speak a word, et il accomplira and cela. Fulfill that. Quel est ce problème? Prononce la parole. Amen. Amen. Tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta vie. You can change your life. Prononce seulement la parole. Speak only words. Et Dieu accomplira and cela. God will fulfill that. Amen. Amen. L'autorité de l'épouse. The authority of the bride. Tu as l'autorité. You have the authority. Devant même l'ennemi. In front of the enemy. Tu as l'autorité. You have the authority. Devant la maladie. In front of the tu sickness. Tu as l'autorité. You have the authority. Amen. Amen. Prononce la parole. Speak a word. Prononce la parole. Speak a word. Qu'est-ce qui te dérange? What is disturbing you? Prononce seulement la parole. Speak only the word. Commande. Command. Il te dit commande. He tells you command. Il t'a donné ses pouvoirs. He gave you that power. Commande. Command. Dirige. Lead. Mais tu vis en dessous de tes privilèges. But you're living under your privileges. Il t'a déjà donné l'autorité. He gave you already authority. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prononcer la parole? Why you don't want to speak a word? Prononce la parole. Speak a word. Et cela s'accomplira. And it will come to pass. Un homme. Amen. Dans la Bible. In the Bible. A reconnu l'autorité. Recognize de Jésus. The authority of Jesus. Il a dit moi. He said me. J'ai l'autorité. I have the authority. Dans cette armée. In this army. J'ai l'autorité. I have the authority. Si je dis if I say à mes subalternes, to my subject, fais ceci, do this, va là-bas, go there, ils obéissent. They obey me. Mais si seulement, but if only, tu peux dire, you can say, juste un mot, just a word, juste un mot, just a word. J'ai reconnu, I recognized l'autorité que tu as, the authority that you j'ai have, reconnu I recognized le pouvoir que the tu power as. That you have. Mais si seulement, if only, tu peux dire you un can mot, say a word. Moi dans ce monde, me ici, in this world, si je parle, if I speak, ils exécutent, they execute that. Mais toi, but you. Je peux voir ton niveau. I can see the level de that you have of spirituality. C'est très élevé. It's very high. Dis seulement un mot. Say only words. Dis seulement un mot. Say only words. C'est centenaire romain. That a Roman centurion a reconnu, recognized l'autorité, the authority qu'avait Jésus. That Jesus had. Et ce soir, and this evening, si une personne ici, if a person here, peut reconnaître. Can recognize l'autorité qu'a Jésus, the authority that has pour Jesus sa vie, for his life. Si une personne, if a person, peut reconnaître, can recognize que Jésus est en lui, that Jesus is in him, que l'autorité suprême est en lui, the supreme authority is in him. Dis seulement un mot. Say only words. Prononce seulement la parole. Speak a word. Et la chose va arriver. And the thing shall come to pass. Amen. Amen. Frère Moses. Brother Moses. Mais tu as parlé de Josué. But you spoke about Joshua. Tu as parlé de Samson. You spoke about Samson. Tu as parlé de centenaire romain. You spoke about Roman centurion. Tu as parlé de Jésus. You spoke about Jesus. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne. Today there's no one. Mais je vais te dire, il y avait une personne. Let me tell you, there was a man. À cet âge, in this age, qui a reconnu l'autorité qu'il avait, who recognized the authority that he had, qui pouvait dire, who could say, petit poisson, little fish, je te donne la vie, I give you life. Toi aussi, you also, tu as cette autorité, you have that authority. Parle, speak. J'ai dit parle. I say speak. N'écris pas. Don't shout. Parle. Speak. Tu as l'autorité. You have. Reconnais ce que tu es. Recognize who you are. Parle. Speak. Qu'est-ce qui dérange ta vie? What is disturbing your life? Parle. Speak. Qu'est-ce qui dérange ta vie? What is disturbing your life? J'ai dit parle. I say it. Speak. Parle. Speak. Et Dieu t'entendra. And God will hear you. Tu as parlé seulement de frère Branham. You spoke only about brother Branham. Ici. Here.
Dieu a guéri un sidatique. God healed a HIV woman. Toi aussi. You also. Ton problème. Your problem. Peut avoir la solution maintenant. Can they have a solution right now? Parle. Speak. Je me rappelle un jour. I remember one day. J'étais à Pretoria. I was in Pretoria. J'étais en train de conduire. I was driving. Une de nos sœurs. One of our sisters. Ceux qui viennent de Rigini savent. Those come from Rigini knows. Une mama qui vendait les yaourts à Kinshasa. A mama was just selling. Le connaît très bien. Was selling ice creams. Elle est maintenant aux États-Unis. She's now in the United States. Sa fille était gravement malade. Her daughter was really sick. Dans le coma. In coma. Elle m'appelle par Facebook. She called me through Facebook. Elle me dit. She tells me. Moïse, ma fille va mourir. Moses, my daughter will die. Est-ce que tu peux pas prier? Can you pray? J'étais au volant. I was driving. J'ai dit je vais pas prier. I said I will speak. Je parlais. I spoke. Je parlais. I spoke. J'ai dit je donne la vie. I said I give back life. Et c'est Dieu là a exécuté sa parole. And that God executed His word. C'est même Dieu. The same God. Et encore aujourd'hui. He is today. Il agit encore. He is acting. Nous avons l'autorité. We have. Il nous a donné le pouvoir. He gave us the power. Il a dit dans sa parole. He said His words. À tous ceux qui l'ont reçu. For those who received Him. Il leur a donné le pouvoir. He gave us the power. De devenir des fils et des filles de Dieu. Vous avez l'autorité. Reconnaissez ce que vous êtes. Le diable. Hein, ne peut rien contre vous. Do nothing Dieu against vous a donné l'autorité. God gave you the Dieu authority. Vous a donné cette autorité. Give you, reconnaissez cela. Amen. Amen. C'est à vous de commander. It's to you to command. C'est à vous de diriger. It's to you to rule over. Amen. Amen. Et Jésus est venu restaurer came to restore ce que toi tu as perdu. What you lost. Amen. Amen. Reconnais Recognize l'œuvre du calvaire. The work of Calvary. Tel que tu es là, as you there, tu peux donner la vie. You can give life. Tu as cette autorité. You have that authority. Mais reconnaissez-la. But to recognize it. Reconnais cette autorité. Recognize that authority. Dans une maison. In a house. L'autorité suprême, c'est le papa. The supreme authority is the father. Dans une église. In a church. L'autorité suprême, the c'est le pasteur. The supreme authority is the pastor. Amen. Amen. Mais on s'arrête pas là. But we don't stop there. Mais Dieu God s'est dit says que je donne l'autorité à mon fils. Let me give authority je donne to my son. À ma fille. Let me give authority to my daughter. Ce soir, reconnais l'autorité que this evening, recognize the authority that you have. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Croyez-vous cela? Do you believe it? Il dit ceci. He says this. Attendez. Wait. Dans la prédication question-réponse sur les Hébreux. In the preaching question and answers on the c'est Hebrews. C'est prêché le 25/9/57. 25 September. 57. Le paragraphe I-74. Le paragraphe I-174. Écoutez. He says this. Pierre avait le clé et il avait l'autorité. L'autorité. Peter had the keys and had the authority. Sinon, Jésus a menti. Otherwise, Jesus lied. Et il est impossible qu'il mente. And it's impossible for God to lie. Écoutez maintenant. Listen now. Deux choses humiliables. Two unfailable things. Il est impossible que Dieu mente. It's impossible for God to il lie. Avait le clé. He had the keys. Jésus lui avait donné les clés. Jesus gave him the keys. Quand il était ainsi ressuscité le when troisième he jour, rose on the third day, il avait le clé de la mort. He had the keys of death et du séjour de mort. Of the hardest. Mais pas le clé du royaume. But not the keys of the kingdom. C'est Pierre Peter qui les détenait. Who had them. C'est tout à fait. It's really correct. Amen. Amen. Le frère Branham dit Brother Branham says qu'il avait l'autorité. That he had authority. Sinon, otherwise, Dieu devient menteur. God becomes a liar. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Have you followed the reading? Et Dieu and God a des choses immuables qu'il ne peut has pas. Has two unfailable things that he can do. Mentir.
First lie. Et faillir. And fail. Dieu, lorsqu'il prononce une parole, when God speak words, cette parole, that words, doit s'accomplir. Must come to pass. Lorsqu'il dit quelque chose, when he says something, vous devez voir l'accomplissement de cette chose. You must see the fulfillment of the thing. Amen. Amen. C'est pour cela, reason why, nous aussi, us also, nous devons que prendre ce qui est la parole de Dieu. We must only take the words of God. Pas la parole d'un homme. Not to take the word of a man. Mais la parole de but Dieu. Take the word of God. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Aujourd'hui, today, beaucoup de nous, many nous of us prenons la parole de nos familles. Are taking the words of our families. Oh, dans notre famille. Or in our family. On n'avance pas. We don't progress. On se marie pas. We don't get married. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. It's not what the word of tu God as l'autorité. Says. You have the authority. Si dans votre famille, if in your family, il y a quelque chose qui n'arrive pas, there's something that does je te dis, tu as l'autorité. You have authority. Prononce la parole. Speak a word. Tu peux arrêter cela. Stop it. Amen. Amen. Tu peux changer la situation. You can change même situation. De ta famille, even of your même family, de ta maison. Even of your house. Pourquoi? Why? Tu as l'autorité you en toi. Authority in you. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il te demande. Juste only de parler. To speak. Parle pour ta situation. Speak for your situation. Parle. Speak. Qu'est-ce qui te bloque? What is blocking you? Parle. Speak. Amen. Amen. Parle. Speak. Il dit ceci. He says this. Je vais finir d'ici là. I want to finish. Il dit ceci. He says this. Écoutez, listen. Je continue. En bas, il dit ceci. I carry on down. Il y a en vous un esprit. There's in you a spirit. Un autre homme. Another man. Votre extérieur. Your outward. C'est un homme. It's a man. Votre intérieur. Your inward. C'est un autre homme. It's another man. Ainsi, then, votre intérieur, your inward, c'est le surnaturel. The supernatural. Amen. Amen. Et votre extérieur, your outward, c'est le physique. It's the physical. Voyez, see? Cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, so if you are known spiritually by God, vous devenez un messager de Dieu. You become a messenger of God. Ou un ange. Or an angel. Le messager de Dieu. A messenger l'ange of God. De Dieu. The angel of c'est God. Exactement le même mot. It's exactly the same word. On ne peut pas les dissocier. You can never separate. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. The messenger of God or the angel of God. Écoutez maintenant. Listen now. Lequel a la plus grande autorité. So which one has the greater authority? Un ange du ciel ou un ange de la chair? An angel of heaven or an angel of le frère Branham nous pose la question. Ask a question. Un ange de la terre. An angel of lequel earth? En a plus? Which one have more? L'ange à la chair. The angel of the earth. Vous écoutez? Do you hear? Paul dit. Paul says, si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile, que celui que j'ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Let him be accursed. Ainsi, and then, l'ange joué du Saint-Esprit, the angel anointed with the Holy Ghost, et de la parole, and of the word, est plus proche de Dieu. He's so close to God. Qui peut dire amen à cela? Who can say amen to that? C'est vrai. It's true. Au ciel, in heaven, son autorité. His authority. Il dit, he says, tout pouvoir all power m'a été donné has been given to dans le ciel et sur la terre. And on the earth. Allez, go. Et je serai avec vous. I will be with you. Tout ce que vous liez sur la terre, whatever you bound, je le lierai sur le ciel. Bound in heaven. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai sur le ciel. In heaven. Amen. Amen. Vous avez cette autorité. You have that authority. Amen. Amen. L'ange de la chair. The angel of the earth. C'est vous qui êtes plus proche you, de Dieu. You are the ones who are c'est so ce close que le frère Branham dit. What Branham says. Et vous avez l'autorité. And you have authority. C'est que vous liez sur la terre. Bound on the earth. Dieu God les lie aussi sur la bound le ciel. There in heaven. C'est que vous déliez. Dieu aussi délie cela. God loose pourquoi? Why? Parce que vous avez l'autorité. Because you have the authority. Amen. Amen. Vous avez l'autorité. You have the authority. Mais reconnaissez cela. But let's recognize it. Pourquoi est-ce que nous ne reconnaissons pas why cela? Why we don't recognize it? Où est-ce que vous avez mis l'autorité que Dieu vous a donnée? Where have you put the authority that God gave you?
Où est-ce que nous l'avons mis? Where have we put it? Reconnaissons l'autorité que Dieu nous a donnée. Let's recognize the authority that God gave us. Et marchons avec cela. And let's walk with it. Une personne qui a l'autorité. A person that has authority. C'est une personne qui n'a pas peur. It's a person who's not scared. Pourquoi? Why? Parce qu'il sait ce qu'il est. He knows who he is. Regardons même nos commandants. Let's see even a commander. A colonel. Quand il marche. When they're walking. Il a tout pouvoir en lui. He has all the power il in him. Il sait là où il se tient. He knows where he's standing. Amen. Amen. Et toi aussi. And you also. Tu dois savoir ce que tu es. You must know who you are. Devant l'ennemi. Before the enemy. Tu as peur. You are afraid. Tu perds contrôle directement. You lose control straight away. Que tu ne connais pas no, ce que toi tu es. Means you don't know who you are. Reconnais l'autorité que tu as. Recognize the authority that you have. Amen. Amen. Ne regarde pas ta taille. Don't look into your height. Ne regarde pas ta dimension. Don't look into your dimension. Mais reconnais l'autorité que Dieu t'a donnée. But recognize the authority that God gave you. Amen. Amen. Le frère Branham parle. Brother Branham speaks. D'un roulage. Of a traffic cop. Un roulage. A traffic cop. Lorsqu'il se tient. When sur he la stands route. On the road. Même s'il y avait un truck. Even if there was a big truck. Qui était en train de venir. That was just coming. C'est le roulage. The traffic cops. Il va pas regarder à sa taille. He will never look into his height. Mais le roulage. But the traffic cops. Lorsqu'il a seulement sa tenue. When wearing the uniform. Si seulement il lève sa. If he lift up his hands only. Même si c'était un big truck. Even if it was a big truck. Doit s'arrêter. That truck must stop. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce que. Because. Le roulage a l'autorité. The traffic cops has the authority. Et moi et toi, and you and I, peu importe le problème, no matter the problem, qui peut venir devant nous, that can come before reconnaissons us. L'autorité let's que nous avons. The authority that we have. Nous pouvons arrêter cela. We can stop it. Amen. Amen. Nous pouvons arrêter we cela. Can stop it. Pourquoi? Why? Nous avons l'autorité. We have the authority. Nous devons arrêter cela. We must stop it. Reconnais l'autorité. Recognize the authority. L'autorité. Recognize.
paix. I want you to speak to God. Pour quelques paroles. For a few words. Tu parles à Dieu. Speak to God. Et je vais prier le Seigneur. And I will pray the Lord. Alléluia. Tout ce qui n'était pas bon. Condemn what was evil. Alléluia. Et reconnais ta place. And recognize your place. Citez toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Call the promises of God in your life. Je suis ta fille. Say, I'm your daughter. Je suis ton fils. I am your son. Je ne mérite pas la maladie. I don't deserve disease. Je ne mérite pas la mort. I don't deserve death. Je ne mérite pas la pauvreté. I don't deserve poverty. Je ne mérite pas I don't deserve cette vie. This life. Je veux une vie. I want qui prouvera au monde a life that will prove to que the je suis ton fils that I am your son, et je suis ta fille that I am your daughter. Je vais t'honorer. I want to honor you. Alléluia. Alléluia. Voilà l'autorité que vous avez. See the authority that you have. Je vais t'honorer. I want to honor you. Seigneur, accorde cela dans Lord, ma vie. Grant it in my life. Hein, ne priez pas mais prononcez la Don't parole. Pray, but speak a word. Que les choses mauvaises qui fait, qui s'est arrivé dans ta vie that que cela s'arrête. Evil things that came in your life be stopped. Et je vous dis que cela va s'arrêter. I will tell you it's going to be stopped. Parce que Josué Because Joshua, il connaissait sa position. He knew his position. Il a dit soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. And the sun stopped. Il s'était pas agenouillé. He never knelt down. Il n'avait pas fermé les yeux. He never closed the eyes. Et il a prononcé la parole. He spoke a word. Toi aussi prononce la he parole. Also speak a word. Et la chose arrive. And the thing shall come to pass. Amen. 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 Showers of blessing, showers of blessing we need. Blessed us bound us are falling, and for the showers will be more. Showers of blessing, showers of blessing we need. They see God's mountains are falling, but for the shower we be. Seigneur Jésus, Lord Jesus, nous croyons de tout notre cœur que ta parole est la vérité. That your word is the truth. Je prononce la parole. I speak a word. Qu'il y ait la délivrance. I speak deliverance. Qu'il y ait la délivrance. Let be deliverance. Dans la vie de tes enfants. In the life of children. Qu'il y ait la guérison. Let it be healing. Au nom de Jésus. In Jesus Christ's name. Que là où il y avait des blocages. Where there were blockages. Des freinages. Brokage. Que tes enfants trouvent la joie et la bénédiction. Let your children find happiness and Seigneur, blessings. Toi tu es le capitaine à 5 étoiles. You are the captain of 5 Sois devant ton peuple. Be before your Bénis-nous Seigneur. Bless us Lord. Bénis l'église. Bless the church. Et bénis ton peuple. And bless your people. Que cette présence Let retourne avec nous. Go back with par us. L'autorité de la parole. And the fruit of the word. Que tes enfants soient bénis. Let your children be blessed. Spirituellement. Spiritually. Matériellement. Financièrement. Financially. Et physiquement. And physically. Et que notre retour Let in our way back. Soit rassuré par toi. Be sure by Et les anges nous accompagnent. That the angel goes with us. Au nom de Jésus. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. On va chanter, on récolte. We're going to sing and collect offerings. There shall be showers of blessing. This is the promise of life. There shall be seasons.